Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga matinale, une séance un petit peu plus longue aujourd'hui. Ce sera un petit peu plus actif peut-être que d'autres séances matinales que vous retrouverez sur cette chaîne. Rien de trop intense, on va commencer quand même doucement au sol puis on va prendre le temps. Et on travaille un peu en force, beaucoup en étirement, puis on vient chercher une belle énergie ce matin. Donc ça devrait faire du bien. Vous aurez besoin peut-être d'un bloc si vous avez l'habitude de faire votre triangle avec un bloc et peut-être votre pyramide. Aussi, de façon à soulever un petit peu le sol et trouver un peu plus d'espace. Ben voilà, on y va. Si vous n'avez pas de bloc, là, il n'y a vraiment pas de problème. Joignez-vous quand même à nous, ça devrait bien aller. On s'étend sur le sol pour commencer. Ah, allongez les jambes et allongez les bras complètement au-dessus de la tête. On peut plier un petit peu les coudes. Les jambes sont allongées, les orteils qui retombent de chaque côté, les pieds peut-être un peu plus larges que les hanches. Prenez le temps de faire tout ajustement là, qui vous fait du bien. Et là déjà, on veut venir ouvrir un peu le devant du corps. Respirer profondément, remplir la cage thoracique d'air. Prenez peut-être une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche pour arriver à vous déposer. Good. Je sais que vous venez peut-être de vous lever, mais fermez les yeux un instant. On veut commencer doucement. On va s'offrir quelques respirations ici. Vous pouvez bercer la tête à droite, à gauche. Peut-être bouger un petit peu les orteils. Donc oui, on est dans une version de Shavasana, mais pas trop statique. On se réveille, donc on invite un tout petit peu de mouvement, tout en se concentrant sur notre souffle, notre présence. Je ne sais pas si vous êtes une personne matinale. Moi, oui. En toute confidence, les matins sont... mes meilleurs moments, c'est souvent là que je fais mon yoga, que je fais mon sport, que je vais au gym, que je vais courir. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Si c'est plus difficile pour vous de pratiquer aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Surtout si le matin, c'est la seule période que vous avez pour dérouler votre tapis avec la vie qui va vite, la vie de famille. Donc, si vous êtes un peu marabout, je suis avec vous, ça arrive. Je vous envoie de l'amour. Ce que je vous conseille pour les prochaines minutes, c'est juste de profiter de la séance, tant qu'à avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, ce matin, d'en profiter pleinement. De ne pas trop penser à la journée à venir, aux responsabilités qui s'en viennent, aux tâches, aux engagements. Soyez tout le monde ici, maintenant, sur votre tapis. Ah, super. En gardant les yeux fermés ou en les ouvrant, on peut commencer à bouger encore plus les mains, les pieds, les jambes. Ramener les jambes en ligne avec les hanches. On peut ramener les bras vers l'avant et on vient attraper le genou droit. Donc, on peut entrelacer les mains sur le devant de la jambe. On garde la jambe gauche bien allongée qui presse dans le sol. Les mains devant la jambe droite. On tire les genoux vers la poitrine. Offrez-vous peut-être quelques rotations avec la cheville droite. Donc, étirement, énergie, un peu de force ce matin. Donc, on commence doucement avec une portion étirement. Si c'est un petit peu intense ici d'avoir la jambe gauche complètement allongée au sol, n'hésitez pas à faire une petite flexion, à plier le genou, déposer le pied au sol, il n'y a pas de problème. Surtout le matin, on est parfois un petit peu raide. C'est mon cas, il est réellement le matin. 9h10, heure du Québec. Good. Avec la même jambe, on va venir déplacer les mains à l'arrière de la cuisse cette fois-ci, puis allonger la jambe vers le haut. On peut garder encore une fois une petite flexion cette fois-ci dans la jambe droite.
Venez retirer les ischios aux jambiers. Peut-être que votre jambe s'allonge complètement, pas de problème. Mais j'aime garder mon genou plié un petit peu. Continuez à respirer. Super. On va ouvrir dans un demi-bébé content. Donc ici, ce que j'aime faire, c'est allonger mon bras gauche vers l'extérieur, plier un petit peu ma jambe gauche. Donc je dépose mon pied au sol, cette fois-ci pour vrai de vrai. Je plie le genou un petit peu. Je viens chercher l'extérieur de mon pied droit. Et le genou droit s'en vient vers l'aisselle droite. Donc se rapproche de l'aisselle. Et là, j'ouvre légèrement sur le côté pour mon demi-bébé content. Ma cheville droite à peu près au-dessus de mon genou droit. Ça se peut là, que votre jambe gauche puisse s'allonger au complet, pas de problème. Puis j'utilise mon bras gauche ici juste pour me stabiliser. Good job. Encore une ou deux respirations. On commence à se concentrer sur les hanches. Et on relâche. On va aller faire la même petite routine de l'autre côté. Vous pouvez donc allonger la jambe droite, venir rattraper le genou gauche et tirer vers vous. Faites tout ajustement nécessaire avec la jambe droite. Essayez quand même de relaxer le haut du corps, là, même si on travaille, même si on tient la jambe. Juste de trouver une petite aisance, une douceur matinale. Excellent. Tranquillement, on va venir allonger la jambe, déplacer les mains à l'arrière de la cuisse. Genou plié un petit peu, au besoin. Good job. Et demi-bébé content de l'autre côté. Donc, j'allonge cette fois-ci mon bras droit. Je viens attraper l'extérieur de mon pied. Je plie un peu ma jambe droite. Et je laisse mes hanches s'ouvrir. L'arrière de ma jambe s'étirer. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes personne matinale ou non. Un oiseau de nuit. Pour ma part, le soir, je ne suis bonne à rien. Que voulez-vous? Encore une ou deux respirations ici. Excellent. Avec contrôle, on relâche. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Faites-vous un petit câlin ici. Gardez les genoux au-dessus des hanches. Les jambes à 90 degrés. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Paume de main vers le haut. On inspire. Sur l'expiration, laissez les deux genoux retomber sur la gauche.
faire une petite torsion. Vous pouvez regarder vers votre main droite. Donc, j'ai les jambes au sol. J'essaie de m'assurer que mes deux épaules restent à plat, près du tapis, sur le sol. Super. Inspirez, retour au centre. Expirez, laissez retomber les jambes de l'autre côté. Donc, torsion cette fois-ci. Vers la droite. Je peux regarder vers la main gauche. Encore une fois, on s'assure que les deux épaules restent au sol. Je me répète. Pirouette. Good. Et tranquillement, on va revenir au centre. Un dernier câlin, parce qu'on mérite. Et on va faire notre chemin vers un premier chien tête baissée. Est-ce bien ça? Vers une posture quadrupède, en fait. Donc, envoyer les jambes d'un côté. On se relève, on s'en vient à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques mouvements ici de flexion. La colonne vertébrale, flexion. On fait d'ouverture du cœur. À l'inspiration, on creuse. À l'expiration, on vient arrondir. Parce que nos matins ne seraient pas les mêmes sans un peu de chat et de vache. À l'inspiration, on creuse. Expirez, arrondissez. Dernière fois, la même chose. Good. Et on arrondit. Super. Cette fois-ci, c'est vrai. Préparation pour un premier chien tête baissée. Donc, de votre posture quadrupède, on va faire un petit pas avec les mains, les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. Ancrer les orteils à l'arrière et on pousse les hanches vers le haut. Vers un V inversé. Et là, on est peut-être raide, comme je le disais un peu tantôt. Donc, on va plier une jambe en alternance. Donc, on se concentre pas tout à fait sur le fait d'amener les talons au sol pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est un dos long. Peut-être à rapprocher le ventre des cuisses. Ajuster les leggings. Respirez profondément. Excellent. On pousse les hanches vers le haut. On allonge le dos. Légère rotation externe des épaules, rotation interne des cuisses. Super. Encore une ou deux respirations. Pendant qu'on se prépare déjà à rentrer dans notre portion un peu plus active. Donc, faites-vous confiance. Respirez bien. Puis respectez aussi où est votre corps ce matin. Trouvez un chien plus immobile et sur une inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs. Chien trois pattes, allez à votre hauteur. À l'expiration, les genoux passent vers le centre. Haut du corps en planche, on vient déposer le pied à l'avant entre les mains. Gardez le talon décollé à l'arrière. On se soulève vers une fente haute. Les deux bras dans les airs. Peut-être le genou gauche un petit peu fléchi à l'arrière. Les jambes, largeur des hanches. Donc les pieds largeur des hanches, on est sur deux skis. Les deux bras dans les airs. On fixe un point vers l'avant. On diffuse l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ça va bien. Good. Super. Là, soyez attentifs. On inspire. Et sur l'expiration, on amène le pied gauche vers l'avant, vers une chaise. Les deux bras qui restent allongés. On vient s'asseoir ici. J'ai les pieds sous les hanches. Les jambes légèrement fléchies pour 3, 2, 1. Avec la même jambe, on retourne dans notre fente haute à l'arrière. Même chose que tantôt. On respire. Good. Dernière inspiration ici. À l'expiration, on ouvre. Guerrier 2. On pivote sur le pied gauche à l'arrière. Donc, les pieds qui s'ouvrent sur le côté. Les pieds qui feraient comme un T si je les relie ensemble.
Rotation externe de la hanche. Ici, on diffuse l'énergie avec les bras de chaque côté. Good. Prochaine inspiration, soulevez le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé, les jambes restent dans la même position. Inspirez. À l'expiration, direction triangle. On allonge la jambe droite. Peut-être qu'ici, votre bloc pourra être utile. On vient le déplacer à l'intérieur du pied. On s'allonge vers l'avant. On envoie les hanches vers l'arrière. On pivote pour venir déposer la main sur le bloc ou au sol. Et on soulève le bras gauche dans les airs. Trikonasana. Super. On va remonter tranquillement dans notre guerrier 2. On peut plier un peu la jambe droite, déposer le bloc à l'extérieur, remonter dans notre guerrier 2 pour quelques respirations seulement. Pressez dans vos deux pieds. N'oubliez pas votre pied à l'arrière qui a besoin d'amour aussi. Good. Inspirez. À l'expiration, moulin des bras, on vient encadrer le pied droit. On s'en va vers une planche. Envoyez le pied droit à l'arrière, main sous les épaules. Belle planche, belle ligne droite. Et là, pour 10, on va taper nos orteils, à l'extérieur du tapis. En alternance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour vers une planche et vinyasa. Peut-être que vous descendez les genoux au sol. On descend les coudes près du corps. On s'en va sur le ventre. Main de chaque côté de la cage thoracique. Ouvrez dans un cobra ou un bébé cobra. On redescend. On crée les orteils à l'arrière, pardon, et on remonte dans un chien tête baissée. Je me suis emballée. Reprenez votre souffle ici dans le chien tête en bas. Excellent. On va faire la même routine de l'autre côté. Donc, sur une inspiration, la jambe droite va se soulever chien trois pattes. À l'expiration, genou vers le centre. On vient porter le pied entre les mains à l'avant. On garde le talon décollé à l'arrière, fente haute de l'autre côté. Excellent. Good. Les jambes sont fortes. Essayez de détendre les épaules. Imaginez comme si vous teniez un gros ballon de plage. Peut-être qu'on bouge les doigts un peu, on inspire. À l'expiration, vers la chaise, à l'avant du tapis. Le poids surtout dans les talons. On peut même soulever les orteils pour 5, 4, 3, 2, 1. On renvoie le pied droit à l'arrière. De retour dans notre fente haute. On inspire et on expire, on se dépose. Yes. Une autre inspiration profonde. Et à l'expiration, on ouvre dans notre guerrier 2. De l'autre côté, épaule au-dessus des hanches, regard au-delà de la main gauche. Super, les jambes sont fortes. Prochaine inspiration, on soulève vers le haut, vers l'arrière, guerrier renversé. La main droite sur la cuisse, sur la jambe à l'arrière, bras gauche dans les airs. Inspirez. À l'expiration, vers notre triangle, prenez votre bloc au besoin. On allonge la jambe gauche, on se déhanche vers l'arrière, on va chercher loin devant, puis on pivote pour venir dans notre Trikonasana. Regardez, là où c'est confortable pour vous, peut-être que c'est vers le ciel, peut-être que c'est plutôt vers le sol. Excellent, respirez, ça va bien. Peut-être qu'il y a une petite chaleur qui s'installe. Hallelujah! Good job! Retour guerrier 2, tranquillement, déplacez votre bloc, pliez la jambe, retrouvez une belle énergie. Pressez dans votre pied droit à l'arrière. Excellent. On inspire. À l'expiration, moulin des bras, venez encadrer votre pied gauche. Retrouvez une planche. Et pour 10, les orteils à l'extérieur en alternance. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Planche. Vinyasa, descendez peut-être sur le sol vers un cobra ou chaturanga vers chien tête levée. Et à l'expiration, posture de l'enfant. Les orteils ensemble. Genoux largeur du tapis. Le front sur le sol. Prenez un moment ici. Excellent. Expirez peut-être par la bouche, relâchez certaines émotions, certaines frustrations matinales. Ah. Excellent. Encore une petite portion, un peu plus active. Gorgée d'eau, besoin, respectez-vous. Avant de repartir, par contre, ça fait une petite pause. On va marcher les mains vers soi. Les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Venez entrelacer les mains à l'arrière, presser les doigts vers le sol. Ouvrez le cœur, soulevez le regard. Pour un bel étirement, une belle ouverture de tout le devant du corps. On est ici pour 5 respirations. Excellent. Et tranquillement, on va relâcher les mains. Retrouvez votre chien tête baissée. Prenez votre temps. Nettoyez votre tapis au passage. Ancrez les orteils, soulevez les hanches vers le haut. Chien tête en bas. On repart sur l'inspiration. La jambe droite se soulève, chien trois pattes. À l'expiration, genou vers le centre. Haut du corps en planche. On essaie de déposer le pied à l'avant entre les mains. On fait un petit pas cette fois-ci avec le pied gauche. Déposer le talon au sol. On se soulève vers un guerrier 1. Donc, à la différence de tantôt, mon talon gauche est au sol. Les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. On est encore une fois sur deux skis, pieds largeur des hanches. Et les deux bras vers le haut, on presse dans la jambe à l'arrière. Le quad est actif. Expérience complète. Totale. On est ici pour quelques respirations. Si les bras sont fatigués, main au cœur. C'est valide. Super. Inspirez, expirez, déposez-vous. Incarnez pleinement la posture. Une autre inspiration ici. À l'expiration, les mains descendent au cœur. On allonge la jambe droite. On fait peut-être un petit, tout petit pas avec le pied gauche. Préparation pyramide. Donc, assurez-vous que les hanches sont bien au carré. On peut juste ramener la hanche droite légèrement vers l'arrière. On inspire. On allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on incline le corps vers l'avant. C'est ici que vous pouvez venir chercher votre bloc. Peut-être pour venir déposer les mains. Peut-être que le bout des doigts sera au sol aussi. Et on peut se rapprocher de la jambe droite. Donc, trouvez votre version de la pyramide. Bel étirement à l'arrière de la jambe droite. Petite, petite, petite flexion dans le genou, juste pour dire qu'on ne bloque pas complètement notre articulation. Et que je l'aime, moi, la pyramide. C'est pas un sentiment partagé par tous, je le sais. Mais c'est une posture que j'aime vraiment beaucoup. Super, encore quelques secondes. Good job. Si vous aviez un accessoire, juste le déposer sur le côté. On va reculer notre pied gauche vers l'arrière. On s'en va vers un twist dans une fente basse. Déposer le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Ouvrez avec le bras droit. Belle torsion. Vers la jambe de devant. Pour 3, 2, 1. Ramenez la main droite au sol. Planche. Et pour 10 autres répétitions, les orteils à l'extérieur du tapis en alternance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 et vinyasa. Donc, soit vous descendez au sol vers un cobra ou chaturanga vers chien tête levée. Superbe. Nos deux respirations ici. Dans votre chien tête baissée. Excellent. Sur la prochaine inspiration, la jambe gauche se soulève, chien trois pattes. Expirez, genou vers le centre. Haut du corps en planche. On vient porter le pied à l'avant. Petit pas avec le pied droit. On ouvre les orteils sur le côté. Guerrier 1. Les deux bras dans les airs. Fait chaud. Ashawinigan. Je vous le confirme. Good. Dernière petite portion plus active. Ensuite, on retourne au sol. Ça va bien. Pressez dans votre pied droit à l'arrière. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Descendez les mains au cœur. Allongez la jambe gauche. Peut-être rapprochez un petit peu le pied droit. Hanche gauche vers l'arrière, on inspire. À l'expiration, on incline vers l'avant. Prenez peut-être votre bloc pour votre pyramide de l'autre côté. Peut-être bout des doigts au sol. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus agréable que l'autre. Excellent. Encore quelques petites secondes. Good. On va déplacer notre bloc. Reculer un petit peu le pied droit. Planter le bout des doigts de la main droite et soulever le bras gauche pour une torsion. Yes. Encore pour 3, 2, 1, ramenez la main au sol, planche, et cette fois-ci, la gang, restez avec moi, s'il vous plaît, pour 20. Les orteils à l'extérieur en alternance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, belle ligne droite, 16, 17, 18, 19, 20, alléluia, dernier vinyasa. Ouverture du cœur et posture de l'enfant sur l'expiration. Peut-être les mains sous le front cette fois-ci. Good job. Excellent travail. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Excellent. On respire. On se fait un petit cocon paisible pour se remettre. Excellent. Tranquillement, on va soulever le regard. On regarde vers l'avant du tapis. Transition sur le bedon. Marchez les mains vers l'avant. Venez sur le ventre, sans trop de cérémonie. On peut déposer le front sur le sol. Allongez les bras de chaque côté vers l'arrière. Paume de main vers le sol. Dessus des pieds sur le sol. Là, juste pour quelques petites répétitions. Sur une inspiration, on va venir soulever le haut du corps, décoller les mains du sol et décoller les pieds. Regarde vers l'avant, mais pas complètement vers l'horizon. Un petit peu devant vous sur le sol. Gardez une belle... un bel alignement avec la colonne vertébrale. Pas venir casser le cou ici. Encore pour 3, 2, 1. On relâche, on redescend. On le refait encore deux fois. Sur une prochaine inspiration, on décolle. On décolle les mains du sol. Décoller le dessus des pieds également. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On redescend.
Et dernière fois, même chose. On inspire, on décolle. Diffuser l'énergie vers l'arrière. C'est parti pour 10. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, plantez les mains de chaque côté de la cage thoracique. Ancrez les orteils. Soulevez vers un chien, tête baissée. Juste comme transition. Inspirez ici. À l'expiration, genou droit derrière, poignet droit pour un pigeon. Allongez la jambe gauche vers l'arrière. Prenez le temps de vous situer les hanches au carré. On les nivelle, on inspire. Et sur l'expiration, peut-être que vous descendez sur les avant-bras. Si vous avez votre bloc, vous pouvez venir le déposer sous le front. Vous pouvez venir vous laisser aller dans votre pigeon. Super. Donc, déterminez vous-même l'intensité de la posture, soit en éloignant le pied droit de vous, en le rapprochant de l'avant de votre tapis pour une version un petit peu plus intense. Essayez de détendre le haut du corps. On est ici quand même pour quelques secondes. Trouvez une respiration un petit peu plus normale. Continuez à être présent ici maintenant, même si on approche de la fin de la séance. Concentrez-vous sur les sensations, sur ce que votre corps vous envoie comme signaux. Excellent. Tranquillement, on va pouvoir soulever la tête, déplacer votre bloc au besoin. On se laisse aller sur la fesse droite, allonger la jambe gauche vers l'avant. On vient déplacer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour une petite torsion. Donc, on inspire, on se rapproche de la jambe qui est pliée. On s'assure que le pied droit... Je crois que je me suis trompée. Le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Que le pied droit est bien à plat sur le sol. On inspire, on s'allonge. Et sur l'expiration, torsion sur la droite. Main droite derrière. Je tiens bien ma jambe gauche avec mon bras gauche. Donc, soit vous gardez cette version avec un petit câlin, ou soit vous venez porter le coude à l'extérieur du genou. Je préfère le câlin. Gardez une colonne vertébrale longue. Regard au-delà de l'épaule droite. Pied gauche bien flex, les orteils vers le haut. Et j'ai terminé de parler. Excellent. Retour au centre, allongez cette fois-ci les deux jambes. On peut plier un tout petit peu les genoux au besoin. Inspirez, soulevez les deux bras vers le haut. À l'expiration, à partir de la hanche, flexion avant, on se laisse aller. Laissez les mains retomber là, c'est naturel. Peut-être de chaque côté des jambes, peut-être que vous attrapez vos pieds. Peut-être que vous entrelacez les doigts autour des gros orteils. Regard vers le sol. On va faire regard peut-être un peu plus vers l'avant du tapis pour garder un dos un petit peu plus intègre, moins arrondi. Good. Et tranquillement, on va remonter. Enlever les jambes d'un côté, chien tête baissée, juste comme transition avant d'aller de l'autre côté. On inspire. On expire, genou gauche derrière le poignet gauche. Allongez la jambe droite à l'arrière pour votre pigeon de l'autre côté. Les hanches au carré, on inspire. Et à l'expiration, peut-être que vous descendez sur le sol ou sur votre bloc. Et on est ici pour quelques respirations.
La jambe droite qui est bien allongée à l'arrière, dessus du pied sur le sol. On relaxe les épaules, relâche peut-être la mâchoire, on desserre les dents. On masse le front. En bref, profitez de votre pigeon. Good job. Tranquillement, on relève. On se laisse aller sur la fesse gauche. Proum. Allongez la jambe droite vers l'avant. Venez planter le pied gauche à l'extérieur. On inspire, on s'allonge. Et sur l'expiration, torsion. Sur la gauche. Regarde au-delà de l'épaule. Good. Retour au centre. On allonge les jambes une fois de plus. Inspirez les deux bras dans les airs. L'expiration, flexion vers l'avant. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin cette fois-ci. Je vous rappelle que vous pouvez fléchir les genoux au besoin. C'est pour une quinzaine de secondes. Et tranquillement, on remonte. Vous pouvez venir croiser les jambes, venir vous asseoir confortablement. Sukhasana. Plantez la main droite au sol, soulevez le bras gauche. On incline sur le côté. Retour au centre, même chose de l'autre côté. Plantez la main gauche, soulevez le bras droit. Encore une fois de chaque côté. Good. Et retour au centre. Plantez les mains sur les genoux. Plantez les mains, déposez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Laissez les yeux se refermer un petit instant. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pratiqué ce matin. Même si vous n'êtes pas une personne matinale. Et offrez-vous un petit moment juste pour penser à votre intention pour la journée, juste un état d'esprit que vous voulez cultiver peut-être pour les prochaines heures, que ce soit au travail, à la maison, avec la famille, les amis, conjoints, conjointes. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver bientôt sur le tapis. Inspirez, soulevez les deux bras de chaque côté, amenez les mains ensemble. Expirez, redescendez vers le centre. Je vous salue. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Namasté!